J'étais sûre et certaine de la vaincre. Si elle avait pu prier avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Bravo. Vous avez beaucoup de talent, vous serez sûrement un grand écrivain. Merci. Merci de m'avoir fait lire votre roman. Anne, attends. Attends. Anne. Anne, attends, Lisa. Anne. Anne. Attends, je vais t'expliquer. Anne. Non. Attends, c'est ma faute. Je vais t'expliquer. Attends, c'est ma faute. C'est moi. Personne, ni toi, ni ton père. Cécile. Salaud. Mais qu'est-ce qui te prend? Où est Anne? Salaud, espèce de salaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si tu le savais pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici? J'ai pris un dernier bain. Le jardinier a arrosé les plantes. Anne a été sur la terrasse aussi. Et toi? Où étais-tu? Allô? Oui, c'est moi. Elle vient d'avoir un accident. Diverses. Il serait miraculeux qu'elle s'en tire, mais... Mais? Mais tout dépend de son désir de vivre. Je veux la voir. Exceptionnellement. Je préfère la voir seule. Bon, si tu veux. Anne est couchée là, à côté. Elle ne se relèvera peut-être jamais. Par ma faute. Je me sentais perdue. Sur ce sentiment inconnu, dans l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à poser le bon nom grave de tristesse. Deux mois plus tôt, j'étais parfaitement heureuse. Je venais d'avoir 17 ans. En France, c'était l'hiver. Mais dans ce paradis où j'avais accompagné mon père, c'était l'été. Mon père était un homme brillant, toujours curieux et vite lassé, qui plaisait aux femmes.
Très bien, encore ton rire, Elsa. Nous étions de la même race, lui et moi. Je me disais tantôt que c'était la belle race pure des nomades. Tantôt la race pauvre et desséchée des jouisseurs. Maintenant, enlève le manteau, doucement. That's it for today, thank you everyone. Ouais. Bravo. Ah, c'est ma petite loulou. Arrête, tu me prends pour une de tes nymphettes? Non, pour ma fille chérie que je n'ai presque jamais photographiée. Évidemment, tu préférais me voir en pension qu'en photo. Ah, très drôle. Non. Attention, j'arrive. Non, arrête, je suis blanche. Mais tu es à moi. Non. Je vais te manger. Non. Regarde. Dans 5 secondes, on sera ensemble dans l'éternité. C'était nos premières vraies vacances ensemble depuis la mort de ma mère. Évidemment, il y avait Elsa, la maîtresse du moment. Sa présence ne m'ennuyait pas, car elle était parfaitement inoffensive. On va finir par être jalouse. Elsa est incapable d'être jalouse, mais d'être méchante. Bien d'accord avec toi. D'ailleurs, je me demande ce que tu lui trouves, à part ses... Arrête avant d'être... J'aime son rire. Pauvre Elsa. Quoi, pauvre Elsa? Elle aurait pu rester à Paris chercher un cachet. Au lieu de ça, logée, nourrie, habillée et même déshabillée. Que pouvait-elle souhaiter de plus? Elle a même une copine comme toi, une sacrée chance, non? Si je comprends bien, c'est pour nous deux que tu l'as choisi. Nous deux, c'est un duo d'amour, mon amour. Les premiers jours furent éblouissants. Mon père courait après sa jeunesse perdue et Elsa souffrait pour obtenir un joli teint à lait. Quant à moi, j'étais fermement décidée à m'offrir un amant avant Noël. Tu peux me mettre de l'huile, s'il te plaît? Didn't mean to do it. Would you like to join? Allez, jouez aux billes, hein, ce sera plus de votre âge. Oh, hey, vous êtes française. If they're bothering you... Ils ne nous ennuient pas, ils nous cassent les pieds. Ils boivent encore le lait et ils veulent se frotter aux femmes qui sentent le scotch. Comme vous, par exemple? Vous les préférez à partir de quel âge? La trentaine. Sportive, parlant français, mais pas trop intello. Et une boucle dans l'oreille gauche. Ah oui, c'est très intéressant ça, mon enfant. So, would you like a scotch? Mm-hmm. Allez, on y va. Allez, les filles, c'est l'heure du déjeuner. Elsa, qu'est-ce que je t'avais dit pour le chapeau? Oh. Viens, Cécile. Allez-y, j'ai pas faim. Vous faites du surf? Non. Je voulais des amours rapides, violente et passagère. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Comme disait mon père, le péché est la seule note de couleur qui subsiste dans le monde moderne. Très doué. Vous pouvez me tutoyer, vous savez. Thank you.
Nous étions heureux. Nous étions heureux jusqu'au soir où, au moment du dessert, mon père a bu une gorgée de vin et il a dit... Je sais pas si je vous ai dit... Anne Larsen vient passer quelques jours avec nous. Mais t'es devenu fou, quoi? Il n'est pas obligatoire d'être fou pour inviter une psychanalyste. Surtout si c'est une vieille amie. C'est ça, t'appelles ça une vieille amie, mais moi je le crois pas, elle hallucine, hein. Elle n'est pas si vieille que ça. Tu te calmes, oui. T'invites la bonne femme que je déteste le plus au monde et tu veux que je me calme? Ça allait trop bien, hein. Il fallait que tu gâches tout comme d'habitude. T'as pensé à Elsa? Depuis quand tu te préoccupes d'Elsa? T'imagines un peu les conversations entre Elsa Mackenbourg et Anne Larsen? J'aime bien les situations surréelles. Mais t'aimes surtout les situations compliquées! Bon, tu veux qu'on rentre à Paris, c'est ça? Mais merde! Pour une fois qu'on passe les vacances ensemble! Ciao! Salut! Je peux comprendre? Non, je crois pas. Si je suis trop, tu le dis, hein? Y a pas de problème. Toi aussi, tu vas me faire une scène de jalousie. Une amie vient dans le coin par le plus grand des hasards. Il n'y a pas de quoi en faire un psychodrame. Une vieille amie arrive dans cette île du Sud par le plus grand des hasards. Et justement, par le plus grand des hasards, tu tombes sur elle. C'est formidable, ça. Il m'arrive de pas mentir, tu sais. Écoute, je suis peut-être complètement idiote, mais pas tout à fait conne. Mmh. Mmh. Bonne nuit. Et fais de beaux rêves. Tu veux que je dorme sur ce divan? Comme dirait Cécile, j'hallucine. Pourquoi pas? Il est parfait, ce divan, non? Surtout pour attendre une psy. Il n'y a rien à dire. C'était l'analyse de ma femme. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est tout. Tiens donc. Tu verras, elle est très sympathique. T'es bien un mec. C'est pas du tout ce que tu crois. Je voulais qu'elle m'éclaire. Sur ta femme? Non, moi. Mais on ne guérit pas donjon. D'être avec toi, je suis parfaitement capable d'être fidèle. Combien de temps? Une semaine? Deux? Toute la vie. Toi, par exemple, je t'épouserais bien. C'est vraiment dommage que t'aies le nez rouge. Et en plus, tu colles. Oh, c'est toi qui devrais te faire psychanalyser. Mais jamais trop tard. Pourquoi es-tu si efflanquée, ma Cécile? Tu as l'air d'un petit chat sauvage. Et en plus, tu me fais la tête, c'est agréable. La question n'est pas là. Pourquoi tu as invité cette psy? L'idée de passer 2 mois de vacances avec moi et ta maîtresse te culpabilise à ce point? Je suis capable de tout, mais coupable de rien, tu sais bien. Mais je ne sais rien de toi. Tu as eu tellement de vie. Vivre une seule vie, c'est mourir à coup sûr. Proverbe russe. Mais tu ne veux pas mourir. De là, inviter 2 maîtresses sous le même toit? On ne peut pas coucher avec toutes les femmes du monde, mais on peut essayer. Proverbe hongrois. Je plaisante, bien sûr. Ah, c'est l'heure. Je vais la chercher à l'aéroport.
Tu as tort. Ce n'est pas une femme pour toi. On sera de retour avant 5 heures. Cécile, je compte sur toi pour te comporter d'une manière civilisée. Hein? Tu es morte? De loin, tu as l'air d'une épave abandonnée. Et de près? Je ne suis pas assez près. Et moi, pas assez prête. Tu as besoin d'un professeur d'amour, my love. Not one for surfing. Je connais tout de l'amour. Le sida, les préservatifs, les suicides, les divorces, tout. Bon, à tout à l'heure. No, stay, please, monsieur le professeur. Cécile, vous avez grandi. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais c'est la maison de la Belle au Bois Dormant ici, ou le maître de maison? Il est parti vous chercher à l'aéroport. Avec Elsa. Elsa? Elsa, la maîtresse du maître. Superbe chez vous. Vous voulez que je vous montre la maison? Voilà une bonne idée, oui. Alors... là, vous avez la terrasse for the breakfast. Ah, Ramon, je vous présente Miss Larsen. Hello. Un coca, un Perrier, un Cuba Libre. Si vous avez soif, le bar est parfait. C'est vous qui êtes parfaite, mais je préfère aller voir ma chambre et m'installer. Oh là là, tous ces bagages pour seulement 2 jours. Eh oui, je ne pars jamais sans ma vie. On ne sait jamais. Non, non, Lucie, je vais vous aider. Oh, oh, je suis désolée. C'est pas grave. Sans vos béquilles non plus. Je suis médecin, vous savez. Oui, oui, je sais. Mais ici, pas de problème. La maison vous offre le chant des cigales et les bains de minuit. Vous n'aurez pas besoin de tranquillisants. Attendez, mais qui vous dit que j'ai besoin de tranquillisants? Alors là, vous avez la chambre d'enfant pour l'orpheline. Et là, le honeymoon suite pour le maître. Très belle. Là, c'est la chambre d'amis. Pour les vieilles amies. Parfait. Je serai très bien ici, pour 2 jours. Here comes Mr. Raymond. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû vous appeler et vous dire que j'avais loué une voiture. Autant vous le dire tout de suite, je déteste définitivement les aéroports. Vous auriez dû me voir avec mon bouquet à la main et mon sourire niais. Ne bougez pas, on arrive tout de suite. Oh non, c'est adorable. C'est adorable, je suis vraiment confuse, je ne sais pas quoi dire. Merci. Anne Larsen, la fameuse psychologue. Elsa McEnbourne, la fameuse comédienne. Ah, comédienne, c'est un bien grand mot. Ne sois pas modeste. Je suis pas modeste, je suis modèle. Salut, à tout à l'heure. Toujours une jeune fille en fleurs. Elle est charmante. En fleurs, plutôt des jeunes filles en boutons.
Je parlais de leur bouton d'acné, bien entendu. Et ces vacances, ça se passe bien? Les vacances? Un éditeur me poursuit pour un nouvel album. J'ai toute une collection d'hiver à terminer. Je dois m'occuper de ma fille, distraire Elsa et faire la cuisine pour tout ce petit monde. Je vous remercie de m'avoir invité. Cette villa est vraiment magnifique. Vous l'avez trouvée comment? Oh, j'ai passé une annonce du style type pas très clair. Je cherche une villa très ensoleillée. Et voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de rester quelques jours de plus? Madame Larsen n'a peut-être pas envie de gâcher nos vacances. Ton humour m'échappe. Mais cherchez pas à être drôle. Mais rassurez-vous, Cécile. Je ne gâcherai pas vos vacances. De toute façon, j'ai du travail. Ah oui, votre colloque. Mais nous ne mourrons pas sans vous. On ne sait jamais. Waouh, l'eau est super. Vous devriez l'essayer. Je ne manquerai pas. Qu'est-ce que je vous disais? Une vraie colonie de vacances. C'est la plus belle fille que je connaisse. Oui. Après Marie, Suzanne, Elsa et Anne. Écoute ton vieux père quand il te fait des compliments. Hein? Si j'avais 20 ans. Ah, mon vieux père. Tu sais, tu devrais pas danser ce slow, c'est mauvais pour tes rhumatismes. Petit monstre. Dis, tu me trouves jolie? Jolie, non. Fatale. C'est pour la fille d'un homme fatal. C'est fatal. Le passage à la cinquantaine vous donne le trac à ce moment? Que vous confondiez peur et refus m'étonne de votre part. Bravo! À la mienne. Décidément, je déteste les anniversaires. Mais je croyais que t'aimais les fêtes. Ouais, celle qui arrive à l'improviste, oui, mais pas celle qui balise le temps, mon imposture. Si vous voulez parler de l'imposture du temps, je crois que je vous comprends. Mon pauvre papa. Vous savez, il y a que les 50 premières années qui sont terribles, après ça descend tout seul. Oh là là, est-ce bien raisonnable? Est-ce raisonnable d'être raisonnable? Je vais vous dire ce qu'il y a de terrible, chère Anne. Quand je suis sobre, je ne suis pas très brillant, mais alors... pas brillant du tout. Cher Raymond, je crois que vous regardez un peu trop dans les miroirs. Autrement dit, vous réfléchissez un peu trop. Madame Larsen, soyons bien clairs. C'est pour vous reposer que vous êtes ici, pas pour moi. Je suis très bien comme je suis. Rassurez-vous, je ne vous changerai pour rien au monde. Alors, changeons de sujet, docteur. Bien. Bon anniversaire tout de même. Madame Larsen a raison. C'est qu'une vieille mère. Hein? Je réfléchis. Mais qu'est-ce que vous l'avez dit? Rien. J'ai simplement dit bon anniversaire. Pourquoi pas sincère condoléance? Ça l'aurait peut-être fait rire. Peut-être. Vous connaissez mieux que moi. Ah, quel bonheur. Se faire déshabiller par trois femmes à la fois. Morning, miss. Bonjour, Cécile. Vous vous levez de bien bonne heure ce matin? Toujours, quand j'ai rien à faire. Vous ne deviez pas repasser votre bac cette année? Pourquoi faire? Pour être chômeur? Un roman? Non. C'est un essai sur quelques-uns de mes patients. Le dégoût de soi, tout un programme.
Enfin, ça n'a pas l'air très gai. Mais pas sûr non plus, vous savez. Il faut absolument que vous l'ayez, ce bac, Cécile. Ma fille n'a pas besoin de bac. Elle trouvera toujours un vieux banquier pour la faire vivre, hein? Et la faire souffrir? Cécile est comme moi, parfaitement inapte à la souffrance. C'est une question d'élégance, n'est-ce pas, ma chérie? Moi, je vais m'habiller. Ce que j'aime dans la jeunesse, c'est son entrée. Salut. Désolée pour lui. Ne vous excusez pas. Comme tous les hommes à femmes, mon père aimait toutes les femmes. La meilleure façon, peut-être, de n'en aimer aucune. Il refusait les notions de fidélité et d'engagement. Mais cela n'excluait ni la tendresse, ni la générosité, sentiment qui lui venait d'autant plus facilement qu'il les savait provisoires. J'avais sous les yeux tous les éléments d'un drame. Un séducteur, un top modèle et une femme de tête. Ou plus exactement, un homme indécis, une provocatrice et une femme pressée. Elle va mourir. Les médecins ne peuvent pas se prononcer. Un accident. Quelle connerie. T'es sûr que c'est un accident? C'était tout sauf un accident. Comment aurais-je pu dire à mon père que nous avions, tous deux, poussé Anne vers le précipice? Oui, c'est ça, les bras croisés, l'air boudeur, oui. Garde la main dans les cheveux, là. Voilà. Oui, c'est ça. Triste, comme ça. Oui, parfait. Parfait. La main sur les hanches. Tremble-toi un peu. Bien sexy. Encore plus sensuel. Là. C'est super. Regarde-moi encore. Voilà. Et ne souris plus. Ne souris plus, regarde-moi. Yes, thank you, Raymond. Ben moi, finalement, je crois que je préfère la sieste au café. Tu viens? Yes. Les gens disent que la sieste est très reposante, mais moi je crois que c'est une idée fausse. Je vous en prie. Cécile, vous ne devriez pas fumer. Remarquez, elle fait son métier de flop modèle. Je déteste ce genre de réflexion. À votre âge, c'est plus que stupide, c'est pénible. Mais je rigolais. La vie privée de votre père ne me regarde pas. Vous non plus, d'ailleurs. Peu de choses me choquent, vous savez. Je crois que vous faites de l'amour une idée un peu simpliste. C'est drôle. En ce moment, tout le monde veut m'apprendre l'amour. Allez-y, expliquez-moi. Je ne pense pas que vous puissiez comprendre. Vous me trouvez si bête que ça? Non. Trop intelligente, peut-être. Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur. Alors quoi? C'est déjà fini, la leçon? Mais l'amour, c'est pas une suite de sensations. L'amour, c'est quelqu'un qui vous manque. Qui vous manque vraiment. Même quand il est là, à côté de vous. Il manque de ceux qui ne sont plus là. Ils ne seront plus jamais là. Je suis incapable de le comprendre. C'est pas de votre mère que je parlais. Et si on en parlait justement ?
Vous roulez toujours aussi vite? Eh oui. J'ai plus beaucoup de temps à perdre, vous savez. Je crois entendre mon père. C'est si dur de vieillir. Disons qu'il y a un certain moment dans la vie où on n'a plus le droit de rater certains virages. Mais enfin bon, vous avez encore le temps de penser à tout ça. C'est le privilège de la jeunesse. Arrêtez avec ma jeunesse. Je n'y attache pas d'importance. Ah bon? À quoi attachez-vous d'importance alors? À rien. Je ne pense guère, vous savez. Est-ce que vous êtes agaçant, vous et votre père, avec vos « je suis bon à rien » Vous vous plaisez comme ça? Qui vous dit que je me plais? À propos de virage, on dirait qu'il y en a un qui l'a raté. C'est trop bête de mourir comme ça. C'est moins grave que de sauter du 13e étage. Je ne le trouve pas drôle du tout. Bon. Je sais, oui, vous me croyez responsable de la mort de votre mère, mais... vous savez... chacun est responsable de sa propre vie. Pas quand on confie sa vie à un psy. Si vous voulez qu'on en parle, je vous écoute, je suis prête. Non. J'aurais trop de choses à vous demander. Laissons les morts enterrer les morts. Ah ah ! Le fameux Cyril. Vous avez bon goût. Vous n'êtes pas si mauvaise en amour. Vous croyez au coup de foudre ? Ne confondons pas coup de foudre et coup de soleil. Vous faites allusion au coup de soleil d'Elsa ? Pas spécialement, non. D'ailleurs, je vous trouve un peu vache avec Elsa. Ah oui? Oui. Dommage que vous restiez pas plus longtemps. Pourquoi? Ne me dites pas que vous allez me regretter. Vous auriez pu suivre la suite de l'intrigue. Et même en faire partie. Quelle intrigue? Elsa et papa. Je ne crois pas que ça va durer très longtemps entre eux. Je vous ai déjà dit que la vie privée de votre père ne me concernait pas. D'ailleurs, je pars ce soir. Ah bon? Je ne dois pas gâcher cette intrigue. Elle faisait déjà partie de l'intrigue, et elle le savait. Mon père, en lui disant de venir, lui avait même offert le rôle principal. Je la regardais, sereine et sûre d'elle. Mais je savais que mes piques avaient porté. Allait-elle accepter le combat? Fuir? Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez? On n'a même pas pu se dire deux mots. Vous n'en avez guère eu le temps entre vos jeunes filles en boutons et la gymnastique? C'est grotesque. Ah bon? Pourquoi? Parce que je vous demande de rester. Encore une fois, pourquoi? Vous avez un tel sourire. Ce serait un crime de nous en priver. Je changerai jamais. Arrêtez de jouer des séducteurs, vous n'en avez pas besoin. Je triche pas toujours, vous savez. Allez, oubliez vos valises. Ce soir, je vous emmène au casino, on va faire la fête. Je ne suis pas une joueuse. Je vous assure, madame le juge, j'ai changé. C'est ce que disent tous les escrocs, oui. D'accord. Mais vous restez. J'aimerais bien te ressembler. Vous êtes gentille. Même quand vous faites un compliment, c'est pour mordre. Non, je suis sincère. Je sais, vous l'êtes toujours. Mais il a raison, vous êtes très belle. Et je sais être sincère, moi aussi, de temps en temps.
Place your bets, please. You. Place your bets, please. Yann, portez-moi chance. Tu vis dangereusement. Une chance sur 36. On peut gagner 35 fois plus. Vous êtes un peu fou, quand même. À ce stade, pour un vrai joueur, il n'y a plus que deux solutions. On fait sauter la banque, on se fait sauter la cervelle. Je vous ignorais ce côté russe. Ah, non, vous avez la main magique. Ah, j'aimerais faire mentir le proverbe heureux au jeu. Au fond, on bat tout. Vous non plus, Anne, je n'ai jamais été aussi peu joueur qu'à cette seconde. Tu veux pas aller dire à papa qu'on rentre? Pourquoi? On n'est pas bien ici? On n'est pas bien ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez beaucoup parlé. Allez, viens, on rentre maintenant. Vas-y, moi, je me sens très, très bien ici. On n'est pas bien ici. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es vraiment dégueulasse. T'invites une fille à la mer sous un soleil qu'elle supporte pas. T'en fais ta bonne à tout faire et tu la largues à la première occasion. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Dites-lui que je suis rentrée. Que j'étais fatiguée, que votre père m'a accompagnée. Fatiguée? C'est ça, oui. Vous avez l'air en pleine forme. Je suis sûre que vous êtes assez délicate pour arranger ça au mieux avec Elsa. Arranger ça comment? Lui raconter que mon père a envie de se taper une autre bonne femme et puis qu'il faut qu'elle repasse? N'oubliez pas les préservatifs, hein. Vous savez, il y en a dans la salle de bain. Dans ma trousse. Et moi, je rentre comment? Je viens me prendre un taxi, amusez-vous. Merde! J'en ai rien à foutre de ton fric, tu sais donner que ça! Ah! Excuse-toi. Je m'excuse. Je te pardonnerai jamais. Allez, soyez pas méchante. Je suis vraiment désolée pour Elsa. Vous voulez qu'on rentre ensemble? Lâchez-moi! Je pars demain. Cécile! Would you care for something to drink? No, thank you. Just a little one? Thank you. Tu sais, Anna, tu es malade et papa, tu l'as ramenée. Malade? Oh, la pauvre. Elle vomissait tout ce qu'elle pouvait. Si t'avais pu, c'était une horreur. Et c'est ça qui t'a fait pleurer. Te fatigue pas, va. J'étais sur la terrasse, j'ai tout vu. Non, mais je t'assure. J'ai tout vu, je te dis. Même la gifle. Et sois pas triste pour moi. Je connaissais le contrat dès le départ. Mais c'est dégueulasse, on était venus à quatre. Non, ils étaient venus à deux. Ils sont repartis ensemble, c'est logique. Mais enfin, merde, ça te fait rien. Mais merde, si je te disais que j'en bave, qu'est-ce que ça changerait? Oh,
La jalousie faisait pas partie du contrat. Vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, hein? Oh, ça va, ça va. J'ai seulement perdu mon père. On était si heureux. Nous étions si heureux. Oh. Nous étions si heureux. Bonjour. Elsa vous fait ses amitiés, vous embrasse. Elle a préféré rester à l'hôtel. Mais t'enverras la note. Hein, ça va, c'est une rage, pas. Et vous, vous partez quand? Reste quelques jours de plus. Je croyais que vos patients ne pouvaient pas se passer de vous. Vous pourriez commencer par vous tutoyer, ce serait plus simple. Je croyais que tes patients ne pouvaient pas se passer de toi. C'est quand même ta fille, non? Justement. Dans mon esprit, ces boules qui s'entrechoquaient et qui formaient des combinaisons à l'infini, c'était comme Elsa, Anne et mon père. Elle s'approchait, légère et souriante. Et je devinais déjà ce qu'elle allait me dire. J'aimerais vous demander quelque chose. Ton père et moi, nous allons nous marier. Nous aimerions nous marier. Je n'étais pour eux qu'un petit animal qu'il ne fallait pas effrayer. Pourtant, j'ai senti tout mon univers s'écrouler. Félicitations. Je comprends que tu sois surprise, mais... Mais vous n'avez plus de temps à perdre. Surtout pour ton père.
Je sentais le regard d'Anne. Elle cherchait en moi la pensée qui lui importait de détruire. Je ne lui ai pas laissé cette chance. Mais mon père, c'est pas une femme qu'il lui faut, c'est Mille. Ça peut paraître un peu ambitieux de ma part, mais j'espère être ces 1000 femmes. Tu trouves que c'est pas une bonne idée? Je vois pas en quoi mon avis vous intéresse. Parce que ça dépend de toi, Cécile. Ah bon? C'est bizarre que je la prenne comme ça. Ton père avait un petit peu peur que tu refuses. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais un peu peur de toi. Oui, j'avais peur que tu aies peur de moi, c'est tout. Mais non. Si mon père l'a décidé, c'est forcément une très bonne idée. C'est vrai, je savais que tu serais contente, mon petit chat. Ça n'a pas l'air d'être gagné. Mais non, tu la connais pas, elle fait son intéressant. Mais elle va t'adorer. Je passais par tous les affres de l'introspection, sans pour cela me réconcilier avec moi-même. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'écart d'Anne est bête et pauvre. La seconde suivante, je me disais, pourquoi me juger ainsi? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver cette rancœur? Oui? Tu veux que nous parlions? De quoi? Ce genre d'explication qui mène à rien? Tu veux? C'est l'état de ta chambre. C'est l'état de ta fille. Bon, admettons que tu aimes vivre dans le bordel. Et toi dans un harem? On est quitte. Justement, le harem, la danse du ventre, c'est fini pour moi. Faut bien que je devienne adulte, hein? La gifle d'hier qui te travaille. Mais enfin, merde, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Le démon de minuit, probablement. J'étais particulièrement lâche avec cette bonne Elsa. Mais je me fous d'Elsa et tout le monde s'en fout ici. Je te parle de nous. De nous deux. C'est ta fille que t'as giflé. C'est ta fille qui a pleuré. Je te demande pardon pour cette... Et pour les 8 ans passés en pension. Presque 3000 nuits. 3000 fois, pardon. On s'acquittera plus, Cécile. Hein? On formera une vraie famille. Tu sais, c'est la première fois depuis. Mais je me fous d'une vraie famille. Avant, il y avait une complicité entre nous, on était ensemble. Mais depuis que tu deviens adulte, plus rien. T'as même pas eu les couilles de me parler. Arrête maintenant, ça suffit. Quoi? On est bien ici, c'est calme. Oh mon amour, je savais, on peut pas rester fâché plus de 10 minutes. Tiens, viens trinquer avec nous, ma petite loulou. Mais pourquoi je lui ai parlé de ce mariage? Quelle idiote! Allez, Cécile, tu m'entends? Il faut pas que tu t'endormes, Cécile!
Faut pas t'endormir, on t'aime. Pourquoi j'ai laissé traîner sa sœur le prix de médicaments? Allez, ma petite fille, on arrive à l'hôpital. Allez! Tu m'entends? Il faut pas dormir! Cécile! Telephone call for Dr. Castle, please. Telephone call for Dr. Castle, please. Monsieur, je vous en prie. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle s'est réveillée? Elle est sortie du coma? C'est un bien grand mot. Elle dort, c'est tout. C'est normal avec tous les somnifères qu'elle a avalés. Venez. Parlez-moi sincèrement, n'essayez pas de me rassurer. Je vous le dis, il a suffi d'un bon lavage d'estomac. Rassurez-vous, madame, votre fille se rétablira vite. Je ne suis pas sa mère. Sa mère, c'est... Non, c'est pas le problème. Tenez, la voilà. Elle est toujours dans le coma, là. Je vous assure, elle est sortie d'affaires. Demain, vous pouvez la ramener à la maison. Cessez de vous inquiéter. Le plus délicat pour vous, ce sera après. C'est un suicide d'appel. Vous savez, c'est très courant chez les adolescents. Bon, très bien, ça va, ça va. Merci pour la leçon. Ziggy, regarde, elle se réveille. Allez, papa, fais pas la tête. Bien sûr, je fais. T'es vraiment un lâche. Ça va, j'ai fait une connerie, on va pas passer l'hiver là-dessus. Je vais bien, on aurait pu rentrer en taxi. C'est à cause d'elle que tu as fait ça? Mais non, je te jure, non. Alors quoi? Le mariage? Dis-le et j'arrête tout. Mais non, comment il faut que je te le dise? Tu vas enfin te stabiliser. C'est une idée formidable. Ok, ça va. C'est vrai. Mais tu sais, ce lavage d'estomac m'a aussi lavé la tête. Maintenant, je vais très bien. En ce moment, je croyais être sincère. Mais plus je le rassurais, plus je me mentais à moi-même. Je lui disais ce qu'il voulait entendre. Anne ne m'en veut pas trop? S'il y a quelqu'un capable de comprendre au monde, c'est bien elle. Et mon père n'en demandait pas plus. She's all right. Oui, tout va bien. Careful. Welcome home, Cécile. Come on, come on. Alors, elle va bien? Mieux que moi. Qu'est-ce que tu fais encore? Ce que j'aurais dû faire il y a plus d'une semaine. Mais c'est une manie, ça. Écoute, nous avons parlé. Elle approuve notre mariage. En rentrant à Paris, on cherche un appart. Et à la première occasion, elle se taillera la veine pour nous faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord? Non. Je ne veux pas être la cause. Mais quand les psys font de la parano, l'erreur, c'est moi qui l'ai commise. Elle a manqué d'une vraie autorité. C'est d'un autre manque qu'elle souffre. Il faut arrêter avec ça. Personne ne peut remplacer sa mère. Et personne ne te demandera ça. Je ne céderai pas au chantage d'une petite fille. Elle a besoin de toi. Je ne sais pas lequel de vous deux me fait le plus peur. Je mesurais sa force. Elle avait voulu mon père, elle l'avait. À mon tour, j'allais être influencée, remaniée, orientée par Anne. Dans quelques mois, je n'en souffrirais même plus, car elle nous rendrait heureux. Il fallait se secouer, retrouver mon père. L'occasion s'est présentée un beau matin. C'est pas comme ça que tu vas améliorer ton bronzage.
J'ai pas supporté que papa veuille épouser cette garce. Oh, c'est peut-être pas nécessaire d'avaler toute la pharmacie pour ça. Mais tu ne sais rien. Elle a tué ma mère. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Maman était en analyse chez elle quand elle s'est suicidée. C'est ton père avec la garce. Bon, je vais te laisser, j'ai pas envie de les voir. Elsa, il faut pas que ça se fasse. Écoute, s'il veut l'épouser, c'est qu'il l'aime, c'est son problème. Mais t'as rien compris, c'est toi qui l'aime, fais pas semblant de pas le voir. Écoute, elle lui a fait le coup de l'équilibre conjugal et elle l'a eu, tu comprends? Maintenant, au train, on vend les choses, elle est bien capable de m'annoncer qu'elle est enceinte. Ce serait sûrement un très beau bébé. Ah. Écoute, elle a tout manipulé, tout programmé. Oh, j'ai vraiment du mal à le croire, il faut que j'y aille. Mais enfin, si ce mariage se fait, notre fille à tous les trois est foutue. Mais réveille-toi, Cécile, je fais plus partie du trio. Mais enfin, merde, elle t'a humiliée quand même. Moi, je serais toi, je me vengerai. Je sais comment. Bon, tu crois pas qu'on a assez de bêtises pour aujourd'hui? Faut que je parte. C'est toi qui l'épouseras, Paris. Elsa McEnbourg, quelle surprise. Qu'est-ce qui nous vaut, ça? Je dois récupérer ma valise. Mais rassure-toi, je ne reste qu'une minute. Mais pourquoi tu ne demandes pas à Arwan de t'acheter des robes et tout ça? Arwan, qui c'est Arwan? Quelle importance. Un homme? Oui, mais beau et riche, à ce qu'il paraît. Oh, Elsa, je savais pas que vous étiez là. Vous restez déjeuner avec nous, hein? Ah, c'est gentil, mais je suis pressée. Désolée. On y va? Oui, allons-y. Pour la première fois de ma vie, j'avais connu ce plaisir. Faire agir les êtres à ma guise, par le seul pouvoir de mon intelligence. Quel dommage que ce ne fût que par les voies du mensonge. C'est affreux. Vouloir se tuer à 17 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des ados aujourd'hui? Ils lisent Camus et font du suicide une philosophie, voilà. Camus, mon cul, t'as invité à la psy de ta femme par le plus grand des hasards et tu t'étonnes que ta fille veut mourir? Ma chère Elsa, le sujet est clos, j'ai pas le courage d'en parler. L'ennui avec toi, c'est que t'as le courage de rien. T'as même pas osé me dire je te quitte. C'est vrai, tu as raison. Tu es venu prendre ton sac, me donner une leçon de savoir-vivre. À moins que ce soit une scène de jalousie. Jalouse de ta copine? Tu vois, je te dis, je la trouve plutôt sympa et plutôt touchante. C'est à ta fille que je pensais. Merci de te soucier d'elle. C'est qui, ce Juan? Un bel hidalgo qui m'a ramassé à l'aube à la sortie du casino. Oh, le casino, tu te rappelles? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Rien. C'est toi qui me poses des questions. À tes amours. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Les Espagnols, c'est déjà louf. Salut. Et sans rancune. C'est parce que je t'aime bien que je te dis ça. Fais pas de ta vie un cimetière. Elsa. Oui? Je vais épouser Anne. Ah oui, j'ai appris ça. C'est pour bientôt? En rentrant dès que possible. Si je suis à Paris, tu m'invites? On devrait toujours pouvoir voyager avec un seul sac, vous ne croyez pas? Oui, vous avez raison. Ça doit être ça, le secret. Partir léger. Eh bien, bonjour et au revoir. Au revoir. Et félicitations. Merci. Mon père était d'une légèreté sans remède. Il ne pouvait pas admettre qu'une femme qui lui avait appartenu se console si vite. Nous regardions Elsa s'éloigner de son pas dansant et je savais déjà qu'il la désirerait à nouveau.
Tu disparais pendant une semaine et tu t'en fous complètement. Hmm? Cécile, je te croyais à Paris. Where have you been? Un petit voyage dans l'inconnu. Tu expliques? Hmm. Tu me fais faire un tour? Elle va tout nous voler, tu comprends? Faire de mon père un mari et de moi une gentille petite fille. Et alors, qui peut les empêcher de se marier, hein? Moi. Et comment tu vas faire? Je trouverai... En fait, j'ai déjà trouvé... Are you in love with me? Qu'est-ce que tu penses? Je crois que je t'aime. Tu ferais quelque chose pour moi? I'll do anything you want. Even if you're not happy with it? Comme quoi, par exemple? Answer me first. I'll do anything you want. Et toi? Tu feras tout ce que je veux? C'est ainsi que j'ai déclenché la comédie, malgré moi, par nonchalance et curiosité. Je préférerais l'avoir fait volontairement avec haine et violence, que je puisse me mettre en accusation moi, et non pas la paresse, le soleil et les baisers de Cyril. Mais il était tellement plus facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite. Voir sur mon visage que j'ai fait l'amour. On prend que tu sois de si bonne humeur. Ah. C'est vrai que ça se voit sur ton visage. La vie est belle, non? On va passer des vacances extra, ensuite je vais avoir le bac. Et vous, vous allez vous marier. Je suis très contente de te voir enfin positive. Ah, j'oubliais. J'ai aussi décidé de devenir romancière. Ben voilà une bonne idée. On va fêter ça. Ce soir, je vous emmène en boîte. J'espère que t'aimes danser. Oui, c'est sympa. Tu vas quand tu veux. Splendide, les filles, splendide. Vous êtes les meilleures. T'ennuies déjà? Tu passes ton temps à regarder l'heure. Non, mais c'est que je voudrais noter chaque minute, chaque seconde. Me souvenir de tout, tu comprends? C'est déjà la romancière qui parle. C'est vrai, tu veux écrire. Et quel genre d'histoire? Des histoires d'amour, évidemment. Dans la littérature, les plus belles histoires d'amour, je sais pas pourquoi, se terminent toujours mal. Mais dans la vie aussi, papa. Seulement, la plupart des gens n'ont pas les mots pour le dire et préfèrent jouer à la roulette russe. N'ai-je pas raison? Tout à fait. Tu viens même d'avoir exactement les mots que j'aurais aimé trouver pour le dire. Soudain, je les ai vus. Ils étaient venus, comme je le voulais. Beaux, provoquants, jouant la comédie du couple. Mon pouvoir me parut immense. Cyril et Elsa étaient mes personnages qui agissaient selon mon bon plaisir. C'est incroyable, hein? D'abord en espagnol et maintenant... Elle a l'air de prendre ça plutôt bien, je croyais que t'étais amoureuse. Oui, mais à partir du moment où l'on sait que toutes les histoires d'amour finissent mal... Ça ne vous rend pas triste? Ça ne vous ressemble pas d'être aussi raisonnable. Je comprends pas, là. Toi et Cyril, c'est quoi?
C'était mon amant, mais comme tu vois... Tu as couché avec lui. J'ai fait l'amour, nuance. Je te trouve bien morale, tout à coup. En tout cas, si mon amant s'exhibait avec une autre, je réagirais. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Est-ce que t'as vu Elsa? Tu veux que j'aille lui casser la gueule à ce petit con? Arrête! Il risquerait de gagner par KO. C'est incroyable, cette génération ne connaisse pas la jalousie. Au fait, qui est jaloux de qui? Bon, allez, je suis fatigué, moi. Ce n'était pas sur moi que je pleurais, mais sur Anne. J'étais maintenant sûre et certaine de la vaincre. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Allez. Alors, ça t'a plu ? Je vous avais demandé de faire semblant, pas de vous embrasser vraiment. Savoir ce que tu veux. En tous les cas, j'étais verte de jalousie. Et mon père aussi, si t'avais vu sa réaction. Et toi, il a failli te casser la gueule. Et ça t'amuse? Non. Mais c'est la preuve que mon plan est bon. What if your father is truly in love with this woman? What we're doing is really disgusting. T'en fais pas, je connais mon père comme si je l'avais fait. Encore 2-3 séances, et il demande la main d'Elsa. You're crazy, Cécile. Moi, j'arrête ce jeu ridicule. T'es vexant à la fin. Si tu me trouves trop tard, t'as qu'à le dire. C'est pas les candidats qui manquent, hein. Look. She's beautiful. You really want to suffer, Cécile? Be careful that Elsa and I don't take on this game. Et c'est moi. You're mine. Don't forget it. Les occasions de créer des rencontres étaient multiples, et ce rôle de metteur en scène ne cessait pas de me passionner. Mais quand nous voyions Cyril et Elsa ensemble, témoignant ouvertement des liens imaginaires, mais si parfaitement imaginables, mon père et moi, nous pâlissions ensemble. Et toi? Tu sais, entre le surf et moi, c'est fini. Finalement, je préfère Descartes. Difficile à croire. Je t'assure, je l'aime plus. Mais toi, t'aimes encore le rire d'Elsa. J'ai jamais fait l'amour sans amour. Et jamais faire l'amour avec elle. Je sais, ça s'entendait. Faut croire que ça l'a pas marqué. Allez, papa, tu claques des doigts et elles viennent toutes te manger dans la main, tu le sais très bien. Ça, c'est fini, je te l'ai dit. Évidemment, puisque tu aimes Anne. Évidemment, puisque j'aime Anne. Et puis, il faut bien se ranger un jour. Je reconnais que depuis 2 ans, on a mené une vie qui n'était peut-être pas de ton âge. Ni du tien. Justement, je ne dois pas laisser passer cette chance. Mais je suis sûre que ça marchera. Elle fera une épouse et une mère idéale. Au fond, ça ne dépend que de toi.
besoin de toi. Je t'aime. Me le dis pas trop souvent, ça me fait peur. Je t'aime, nous allons nous marier. Tout de suite, si tu veux. Hein? Banco. Tout cela, dame de cœur. C'est bien ce que je disais, tu changeras jamais. Tu flambes et moi, je me consume. Quand je l'ai vu pleurer ce jour-là, j'ai compris brusquement que je m'étais attaquée à un être vivant et sensible, et non pas à une entité. Elle avait dû être une petite fille un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans. Elle aimait un homme et elle avait espéré être heureuse avec lui. 10 ans, 20 ans peut-être. Je n'avais pas le droit d'empêcher ça, pas le droit de les séparer. Elle était précisément la femme qu'il fallait à mon père. Et peut-être la mère qui me manquait depuis des années. Non. Mais tu sais très bien que oui. Combien de fois faut te le dire? Allez, arrête. Même si j'étais idiote, tu me dirais la même chose. Moi, des fois, je me sens conne. Des fois, je me déteste aussi. Si ça peut te rassurer, peu de gens arrivent à s'aimer. D'où ce besoin qu'ils ont d'aimer les autres et d'autant plus passionnément qu'ils se détestent. Ah, au fait, où en est ton roman? Justement, j'ai plus envie que ça se termine mal. J'ai même fini par aimer le personnage que je détestais le plus au départ. Pourquoi ils m'ont semblé à ce moment? Hé, ils me ressemblaient? J'avais 17 ans. L'âge où les volte-face sont facilement excusables. Dans ce musée, au milieu de ces figures de cire figées pour l'éternité, j'ai compris que la comédie que j'avais mise en marche pour éloigner Anne de notre vie n'avait pas de sens. Mais lorsque j'ai voulu faire marche arrière, il était trop tard. Elsa? Alors? Ça va? Je suis contente. Vous cultivez aussi? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai regardé mes... Là-bas. Tout s'arrange. Quoi? Qu'est-ce qui s'arrange? Tout marche comme tu l'avais prévu. Oh! Mais c'est fini, Elsa. J'arrête tout. Tu as tort. C'est maintenant que ça devient drôle. Ton père vient de m'appeler à l'hôtel. Pourquoi il t'a appelé? Devine. Il a rendez-vous samedi à l'Eden Bar. Il m'a joué séducteur, tu sais, genre détaché. Il est charmant quand il se donne la peine. C'est bon, t'as eu ta petite satisfaction, alors maintenant on arrête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as adopté ta belle-mère? Mais papa est vraiment amoureux, t'entends? Vraiment amoureux. De son âme, peut-être. Il n'y a pas que l'âme. C'était ton plan, non? Il n'y a plus de plan, je te dis. Ça, c'était à ton père qu'il fallait que tu le dises, surtout. Écoute, t'as qu'à pas y aller à ce rendez-vous. Mais si, c'était ton idée. Et elle est très bonne. Je croyais que tu voulais te débarrasser de cette garce. Oui, je voulais. Mais plus maintenant. Désolée. J'ai pris ta petite vengeance à mon compte. Pour toi, c'était seulement un jeu. Mais moi, je suis vraiment amoureuse de ton père. Dans mes équations, j'avais oublié un paramètre. Les personnages n'étaient pas des boules de billard, mais des êtres vivants. Ils se sont servis de moi, comme je me suis servie d'eux. Si, on y va? Bon, ben, embrasse Cyril. Bah oui, je manquerai pas. Toi, embrasse ton père. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Impressionnant, ce musée, non? Au revoir. C'était la dernière fois que je la voyais.
Parfois, la fatalité se cache derrière des masques aimables. Pour Anne, elle avait pris le beau visage d'Elsa. Mal à l'oublier, hein. Cyril, non, oui. Le dégoût de soi, c'est quoi exactement? Oh là là, tu as bien le temps de le savoir, sois pas si pressée. Je voudrais qu'on parte. Qu'on parte tous les trois. J'en ai marre de cette villa, de ce soleil. Je te comprends tout à fait. Il faudrait qu'on parte aujourd'hui. Si tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Raymond ? Oui ? Nous avons pris une décision. Vos désirs sont des ordres. J'adore obéir à des femmes de caractère. Eh bien, vos femmes ont décidé de rentrer à Paris. Comme vous voudrez. On peut partir dimanche. Pourquoi dimanche ? T'as du travail ? Des rendez-vous d'affaires ? T'es pas assez bronzé ? C'est ça, oui. Pas assez bronzé. Je veux qu'on parte aujourd'hui. Dimanche, je te dis. Ok. Ok. Comme tu voudras. J'aurais voulu que mon père ne tombe pas dans le piège que je lui avais tendu. Mais les hommes sont si prévisibles. Samedi, on n'était qu'au début de l'après-midi et mon père ne tenait déjà plus en place. Ta valise est prête ? Depuis hier. Bon, à tout à l'heure. Je vais passer à l'agence. Tu as besoin de quelque chose, des courses? Non, merci. Anne se repose, ne la dérange pas. Dis-lui que je serai de retour vers 6 heures. À tout à l'heure. Il courait vers la jeunesse d'Elsa. Je ne savais plus si je souhaitais ou si je craignais ce rendez-vous à l'Edenbar. J'avais peur de tout, le courage de rien. Je ne savais plus si je devais le comprendre ou le détester. Je ne souhaitais plus qu'une chose. Que cela se fasse vite, très vite. Tu sors ? Je ne voulais pas te réveiller. Je dois passer à l'agence. Tu as besoin de rien ? Non, merci. Si. Un petit peu d'amour. À tout à l'heure. Un dernier bain? Non, je préfère un dernier tour. Tu veux que je vienne avec toi? Je préfère être un peu seule. Tu es gentille, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne m'aimes pas vraiment, hein? J'ai pitié de toi. Mon père te laissera tomber comme il a laissé tomber ma mère. Peut-être. Moi, j'ai confiance en lui. Tant mieux. Ton roman avance ? Oui. Tu veux lire ? Oui, ça me ferait très plaisir. Maintenant ? Comme tu veux. La tentation a été plus forte que tout. Il fallait qu'elle sache que mon père était en train de la tromper en ce moment même. Et qu'elle l'accepte.
était sûre et certaine de la vaincre, si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Bravo. Vous avez beaucoup de talent, vous serez sûrement un grand écrivain. Je vous remercie. Merci de m'avoir fait lire votre roman. Attends. Vous n'avez besoin de personne, ni toi ni ton père. Thank you. Come on, come on. Now don't stop here. Cook! Cook! Cook, cook! Okay. Okay, just get a little bit. Okay, cook, 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 cook. Okay, a bit slower. Okay, go. 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 How did it happen? Fourth gear, full speed. Look at the road. There are tire marks. She didn't touch the brakes. Steve, let's get this thing hooked. Got it? Just a second. Ce n'était pas un accident, mais une mort programmée. Vérité tout simplement inacceptable pour mon père. Il lui était difficile d'imaginer qu'on puisse se tuer pour des gens comme nous, des êtres qui n'ont besoin de personne. Okay, go ahead. Bye-bye. Il paraît que c'est le troisième accident à cet endroit, depuis le début de l'été. Conduire pieds nus, tu sais. Avec la circulation à gauche. Elle conduisait très bien. Anne a poussé la générosité envers nous jusqu'à maquiller son suicide en accident. Mon père le savait aussi bien que moi. C'est peut-être pour ça qu'il me dit... Cécile, le mot suicide, on va le rayer de notre vocabulaire. Le mot suicide, on va le rayer de notre vocabulaire. D'accord. D'accord. Comme le mot bonjour. Et je lui répondis... D'accord. Comme le mot bonjour. Tu veux dire au revoir à Cyril ? Non. Tu veux dire au revoir à Elsa ? C'est fait. Quelque chose s'est replié sur moi comme une soie, énervante et douce, et qui me sépare des autres.
Tout à l'heure, quelqu'un me dira bonjour. Ce sera un bonjour tristesse qui me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie.